Le mollet de truite, d'abord, c'est le mollet le plus populaire. C'est en tout cas le premier à être célébré au Niger. Ensuite, ce mollet est à l'image de son fondateur, Cheikh Aboubakar, qui est quand même une figure emblématique, une figure charismatique de l'islam tidjane, qui est une référence, si je peux dire. C'est ce qui fait que ce mollet-là a acquis de sa notoriété. C'est une fête consacrée à la quête de l'amour d'Allah, à la quête de l'amour du prophète. Au Niger, nos infrastructures religieuses sont vraiment, dans la plupart des cas, dans un état déplorable. Ils sont très souvent en lambeaux. D'où l'idée d'instituer ce thème cette année pour réfléchir à l'idée de trouver le voisin moyen de financer nos activités de façon autonome, c'est-à-dire par les fidèles eux-mêmes, par les communautés elles-mêmes, par les musulmans eux-mêmes, sans tendre la main à d'autres. Hormis cet aspect hébergement, accueil, restauration, la femme a aussi une place de leadership. C'est des femmes qui cultivent la terre, c'est des femmes qui font du commerce, c'est des femmes qui voyagent, c'est des femmes qui étudient et qui enseignent la religion en même temps. Donc c'est ça l'émancipation de la femme selon la vision de la fondatrice de Jamiat Nasratuddin, Sayyid Amul Khelwes. Sunana Alhaji Abdullahi Hassan, ina da shekaru yanzu kusa 40 a Lagos, amma ban fasa maulidi ko so da ya ba. Ba wanda aka kira a waya cewa ka zo maulidi, babu. Kowa na murna da zuwan mutane, kowa na ci gaba da zuwan mutane. Sunana Alhaji Usman Adamu, da ni mazaunin Lagos ne, amma yanzu na dawo Niger State. Nan nake harkokina. To tunda Allah ya kaddara ka ce harkan maulidi ya taso, to nace ni gaskiya ban ya zama in ba na zo cotan nan ba. Ai kuna kabe ballayyar labora na go kabo shi kal ballayyar labora lallin maulido a gonda hayo a gon anur bun kado anur mono guzum bin ga pa to so irtu nden yame no irka ne o magluro maga do magluro banir gonda ba na yigi biya kiyefu